Добро пожаловать в мой канал. Inondation et crue en France. Douai Jura en vigilance rouge. Copyright AFP. Stéphane de SAKUTIN. Le Rhin pourrait sortir de son lit mardi. La Seine déborde à Paris. Des chansons. Indé, des maisons ont les pieds dans l'eau crue et inondations menaçaient lundi une partie de la France où le Doubs et le Jura ont été placés en vigilance rouge. La Seine devrait poursuivre sa crue dans les prochains jours, a averti lundi soir la préfecture de police de Paris, appelant à la vigilance. Des inondations importantes sont possibles, y compris dans les zones rarement inondées, des coupures d'électricité plus ou moins longues et des phénomènes de rupture ou de débordement de digues peuvent se produire, a pour sa part mis en garde le service d'information sur le risque de crue Vigicru. Dans les zones sous vigilance, il est conseillé de se mettre à l'abri, d'éviter les déplacements et de veiller à la protection des biens susceptibles d'être inondés ou emportés. Une voiture circule sur les quais de la Seine le 22 janvier 2018 à Paris. Copyright Stéphane de SAKUTINAFP. Lundi matin, les habitants d'Ornandou ont été prévenus de la crue de la rivière Loup par une sirène retentissant dans la commune natale de Gustave Courbet. La rue principale est inondée, le rez-de-chaussée de la mairie est dans l'eau. On n'avait pas vu une telle crue depuis 2002, a dit à l'AFP le maire, Sylvain Ducret. Les départements du Doubs et du Jura ont été placés en vigilance rouge pour le risque de crue. Des pluies soutenues continuaient de doucher dans l'après-midi une grande partie de la France et 20 autres départements étaient placés en vigilance orange, contre 13 en début de journée. Cette vigilance porte sur un risque de pluies inondations pour l'Ain 01, le Doubs 26, l'Isère 38, le Jura 39, la Savoie 73 et la Haute-Savoie 74 et sur un risque de crue sur la Charente 16, la Charente-Maritime 17, la Dordogne 24, la Gironde 33, le Lot-et-Garonne 47, la Nièvre 58, Lyon 89, la Seine-et-Marne 77, Paris 75, la Haute-Marne 52, les Yvelines 78, le Val-d'Oise 95, l'Oise 60 ainsi que les départements de la Normandie excepté la Manche, la Meuse 55, les Vosges 88, la Haute-Saône 70 et la Meurthe-Moselle 54. Chalaises évacuées et confinement à Chamonix. Les bords de la Seine inondés le 22 janvier 2018 à Paris. Copyright Stéphane de SAKUTINAFP. Les Savoies 73, 74 et l'Isère 38 sont également placés en vigilance orange pour risque d'avalanche. À Chamonix, la fermeture complète du domaine skiable a été décidée par la commune et une centaine de chalets situés en pied de couloir d'avalanche ont été évacués. Des mesures de confinement des populations habitant en zone de risque moyenne ont été prises, soit plus d'un millier de personnes appelées. La situation est hors norme. On a une quantité de précipitations reçues de l'ordre de 5 mois à tomber en 45 jours. Et des niveaux de neige en altitude extrêmement importants, ce qui arrive tous les 15 ans dans cette ampleur, a déclaré le maire Éric Fournier. Polder en Alsace-l'Est, le niveau du Rhin faisait l'objet d'une surveillance particulière car la conjugaison des fortes précipitations et de la fonte des neiges menace de faire déborder le fleuve. Pour le désengorger si nécessaire, le polder d'Erstein-Bas-Rhin, une zone de rétention de crue pouvant stocker 7,8 millions de m3, était mis en sécurité, pour une éventuelle mise en eau mardi, a indiqué la préfecture. Les bords de la Seine inondés le 22 janvier 2018 à Paris. Copyright Stéphane de SAKUTINAFP. À Paris, la Seine continuait de monter, atteignant 4,57 mètres à 16h au pont d'Austerlitz, mais restait en dessous du niveau de la crue de 2016, 6,10 mètres. Les voies sur berge n'étaient plus accessibles et en partie submergées. Dans le Calvados, une cinquantaine d'habitants de la rivière Saint-Sauveur, 1500 habitants ont été évacués à titre préventif, tandis que le centre de Pont-l'Évêque, 4500 habitants est inondé, selon la préfecture, et une dizaine de routes départementales étaient fermées. En Seine-Maritime, l'eau de 18 communes est considérée comme impropre à la consommation en raison des pluies. À Tourinde-et-Loire, les parkings situés sur les bords de la Loire ont été fermés en raison d'une montée importante du niveau du fleuve, a indiqué la ville. 2201-2018-201-127 Strasbourg AFP. Copyright 2018 AFP.